Vous avez la parole, au nom de Dieu. Amen, Église. Amen. Zambé Walesa, à Papa la Bible. Et Dieu, Walesa, vous bénisse tous ensemble. Abraham, apôtre Abraham. Je m'appelle apôtre Abraham. Luanda, Nangola. Je vis en Angola, à Luanda. À Luanda, Tosakuna. À Luanda, là où nous vivons. Naïdi bien. Zamba, Zaboliboki. Je connais que Dieu est compatissant. Zamba Walesa. Les cieux de Walesa. Les cieux de Walesa n'est pas seulement à Kinshasa, il est dans toute l'Afrique, c'est un Dieu mondial. Les serviteurs de Dieu qui vivent en Angola. Ils sont très contents, ils m'avaient envoyé la première fois pour négocier avec le pasteur Walesa pour l'inviter chez nous à Luanda. La première fois, on n'avait pas pu, mais cette fois-ci, Dieu a permis que nous puissions rencontrer l'homme de Dieu. Attends, je vous dis que les hommes de Dieu qui sont en Angola sont très contents pour recevoir le pasteur Walesa à Luanda. L'homme qui avait témoigné ici le dimanche passé, qui avait marché, nous nous retrouvons presque dans le quartier voisin à Angola. C'est un grand patron en Angola, si vous voulez. Et il a beaucoup souffert. Lui aussi, c'est que le Dieu de Walesa a fait ici. La présence du pasteur Walesa à Luanda, ça serait une forte victoire. Les hommes de Dieu sont arrivés dans un souci de voir Papa Walesa. Voilà pourquoi nous avons les diplômes à décerner à l'homme de Dieu. Nous avons aussi notre cadeau et nous accordons le micro à notre secrétaire pour la suite. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. République démocratique du Congo. Association des hommes de Dieu résidant en Angola et en République démocratique du Congo. Nous, Association des hommes de Dieu, l'apôtre Abraham d'Angola, l'apôtre Junior Bruce Mbassi au Kadanga, Bishop Blaise Kananga et le pasteur Jean-Luc, nous sommes dans la joie de la manière dont vous défendez l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ comme il faut. Nous nous adressons à Papa Walesa. C'est ainsi qu'en tant que les serviteurs de Dieu, nous venons, voyant ce que Dieu est en train d'accomplir avec vous, nous nous présentons au devant de vous en vous donnant un diplôme de mérite. Puisque ton temps est déjà fixé par Dieu. Voilà le diplôme que nous remettons à l'homme de Dieu. Aux anges à nous. Aux anges à nous. Est-ce que la zone mérite?
plus de cela, nous avons fait une commande pour amener un bouc. Nous n'avons pas de grandes choses à vous donner, mais en guise de reconnaissance et la grâce de Dieu sur vous, en tant que notre représentant ou le défendeur de l'évangile, nous vous remettons ce bouc. On avait commandé. Au commandant. Oui. Tiao. Oui. Voyez un mandat. Ce qui commande une table, vous commandez les gens à faire ici. Voyez un mandat, même dans la chair. T'as raison de voir mon corps. Oui, c'est ça, la fille ici. How are you? Personne m'appelle. Voilà. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. On révérend évangéliste Claude Kabundo Alessa. Nous bénissons aussi la maman Angèle Oualessa. Parce que la réussite de l'époux dépend aussi de son épouse. La manière dont vous contribuez à l'engagement de papa. C'est pour cela. Nous vous demandons aussi à organiser des conférences pour l'encadrement des épouses des serviteurs de Dieu. Ça va. Vous savez, il est écrit, si vous ne croyez pas, afin de les apprendre les secrets de votre récit. Sur ce, nous vous donnons les cadeaux de la Bible et les symboles de la parole de Dieu. Même si tout le monde pouvait refuser de croire au ministère, car l'évangéliste Claude Kabundo Alessa, mais au travers des œuvres, ayons le courage de croire. Et j'appelle le monde entier que chacun de nous a un temps bien fixé. Ça, c'est le temps où Dieu sait a suscité cet homme pour la délivrance non seulement de la République démocratique du Congo, mais pour la délivrance de l'Afrique et la délivrance du monde entier. Merci beaucoup, papa, pour ce grand travail. Ainsi, en tant que les serviteurs de Dieu, nous sommes venus auprès de vous, l'homme dans son temps. Recevoir aussi un nouveau enfant en tant que les serviteurs de Dieu. C'est ce que nous pouvons aussi vous demander. Merci. Tu peux reprendre, ça dit quoi? Recevoir un nouveau enfant, c'est-à-dire être béni par l'homme de Dieu que Dieu seul a choisi. Ok, merci à vous. Et que nous allons. Église, on va venir pour la massacre ensemble. Donc l'église, on va prier pour les hommes de Dieu.
Sois impacté au nom de Jésus. Vous avez tout un sika. Et pas pour la main sika. Le mot qu'on a Zambé. Le ministère a bien échangé. Zambé a ça la capacité à rouvrir la vie. Vous avez béni au nom de Jésus Christ. Applaudissez l'église. Je vais vous demander si vous avez un photo. Encore sa photo. Photo souvenir. Voilà que l'on a parlé à l'Ibosawa. Ça, c'est quel est le tabac? On a cherché le ciment dans le tabac. Il va présenter les motifs de leur venue au centre des rêves spirituels. Je salue toute l'église au nom de Jésus-Christ. Évêque Manassé Mavinga. Je m'appelle l'évêque Manassé Mavinga. Ce qui n'a pas mis awa. Si je suis arrivé ici, Ezali Nanzela ya papa Nanaï Titi Lelo. C'est au travers de mon père Titi Lelo. Ce qui t'a sali à vos matériaux solicitus. À qui nous demandons de passer aussi de voir s'il est là au milieu de nous. Voyez Ezali Mogoti Nanaï na maman. Parce que c'est lui qui est mon père et maman s'ils sont là. C'est eux qui ont l'habitude de prier ici. Dans ma vie, j'avais un problème. Dans l'église, j'ai implanté l'église. Mais ils ont avancé. Mais je n'avançais pas. Papa Nangai Titi Lelo Ayaki Komo Nangai. Et mon père, biologique Titi Lelo, est venu me rendre visite. Il m'a dit, je te donne l'argent de la garantie pour implanter ton église. Il est là. Est-ce que nous pouvons acclamer? J'ai commencé l'église. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'avancement. Quand l'église, on me demandait de fermer l'église parce que j'étais destiné à diriger les évêques et les pasteurs. J'ai dit à mon père, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, tu peux venir chez nous. Mais moi, j'ai pris là-bas. Je n'ai jamais causé avec le pasteur Walesa. Mais j'amène les gens au sein de l'église. J'ai évangélisé beaucoup de personnes dans cette église. Pour que tu puisses trouver de l'avancement dans ton ministère, tu dois aller auprès du pasteur Walesa. J'ai quitté la maison pour venir ici. J'étais devant la porte du bureau. L'homme de Dieu m'a reçu. Et je lui ai dit, j'ai un problème. Il faut la ma pasteur. Je dois diriger les pasteurs. Et les évêques. Je ne sais pas comment je dois commencer. Église à même l'église en question, il n'y a pas de moyen. Je mettrai des chocs sur mon corps. Parce que je tombe à tout moment sur les motos. Parce que j'ai l'habitude d'apprêter les motos pour rassembler les pasteurs. Papa s'appelle pour la maille. Papa veut prier pour moi. À ma sortie d'ici, je n'ai pas fait une semaine. Bon, maman a téléphoné. Et l'objet est pour la poste à trouver un enlèvement.
Bon, m'a dit, nous avons besoin d'avoir le relèvement. Pour la salle de Kamba, relèvement du fondement de la sainte doctrine. Parce que j'ai dirigé le relèvement du fondement de la sainte doctrine. Relèvement est là ici. Le relèvement voulait dire. Enlever les hommes de Dieu de la mauvaise voie. Natisi. De fétiches. De maraboutage. Fondement. Le fondement, c'est-à-dire mettre Jésus comme étant le fondement principal. Après cinq doctrines. Après la sainte doctrine. Parce que nous avons les doctrines de Nicolas. De Balaam. Mais nous, nous croyons à la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça la mission que j'ai à RDC. Mais pour être bref, mon papa m'avait imposé les mains. Quand j'étais sorti, moi-même j'étais étonné. Le relèvement. J'ai commencé à rassembler même 50 pasteurs d'une commune. Ton commune a 18 communes. On est devenu maintenant à 18 copines. Un peu de temps après, les États-Unis m'ont téléphoné. Adam m'a appelé. Au moment où nous parlons, le relèvement, le fondement de la sainte doctrine, la sainte doctrine est comme international. Au niveau de la sainte doctrine, il m'avait imposé les mains. Cette semence qui est là. International dans le monde. C'est cette semence qui a donné naissance aux effets dans le monde entier. Le 31, dites comme les deux, jusqu'au moment où nous allons arriver le Brazzaville. Il y aura la première édition à Brazzaville. Angola. En Angola. RDC. En RDC. Congo. Brazzaville. Congo, Brazzaville, nous avons cité. Nous avons cité. Brazzaville. Ce qui m'a étonné, quelqu'un est sorti de nulle part. Il a pris la charge de la salle. La décision. La salle que Sassou Nguesso prend la décision lui-même. Kunangaï n'a pas sa trois pays pour la Kotombola. Et c'est moi qui prendrai maintenant des dispositions. Combien au total, Binonioso? Au total, vous avez atteint quel chiffre? Binonioso, vous avez combien? Bah, évêque, pour le moment, tu vois, on a Binonioso, tu vois, évêque, 50 évêques. Pour le pasteur, tu vois, on a 5000 pasteurs. 5000? 5000 pasteurs. Par évêque, à ta 50. 50 évêques. Ça va. Souci la vie des amis, vous voyez comment on va ça. Souci la vie des amis. Voici mon souci. Papa a une semence qui a été. Papa avait mis une semence à moi. Oh, et donc, pas dans le monde entier. C'est une semence qui s'est répandue dans le monde entier. Semence, voilà, on a fait la cause de la évêque de la RDC. Moi aussi, j'ai fait des évêques de la RDC. Mais au Canada. Les évêques du Canada. Les États-Unis. Les États-Unis. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Il y a mon aïe. C'est pourquoi je suis fait. Pour reconnaître que semence, voilà. Reconnaître que cette semence. Il faut la somme à la source. Je dois revenir à la source. Soyez la somme à la source, c'était. Si je ne reviens pas à la source. Maïe Bokaouka. C'est pourquoi je suis venu au père papa. Avec les chantiers des effets. Pour vous décerner le diplôme de mérite. A commencer par aujourd'hui. A commencer par aujourd'hui. A part où aller ça. A comme une père spirituelle dans l'élèvement international dans le monde entier. Il devient le père spirituel. Je m'appelle l'évêque Manassé Mavila. Lélo. Et aujourd'hui là, Nakomi, je deviens Manassé. Manassé Mavinga. Mavinga. Walesa. Walesa. Merci pour la papa, Nanaï, papa Lévi Titi. Je dis merci à mon père. Namoussa Oyo Pesquisso. À la mission que vous avez. Yango, ton père, ça ne connaît pas. Secrétaire, quand il a mis son père pour faire sa papa diplôme de mérite. C'est pourquoi nous accordons la parole au secrétaire pour décerner le diplôme de mérite à notre papa Walesa. Attends, même si tu me crois à court de route, évêque ma vie dans Walesa. Appelez-moi évêque ma vie dans Walesa. Je sais du tout. Autant qu'il y a 3 minutes, la mission c'est que ma classe, autant qu'il y a un diplôme, dans ce moment, la vie dans mon oreille.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Motivation. L'archevêque Kabundi, Vanessa Claude. Archevêque. Lino, Bobet Akaye, et Bobet Akaye, évangéliste, mais la carte à l'élèvement a comme archevêque Vanessa. Vous avez l'habitude de l'appeler évangéliste. Oui, merci beaucoup. Cher évangéliste, très bien, remercie ma propre vacances. Évangéliste français. Cher évangéliste Claude Kabundi-Walesa, son éminence, vive votre motivation auprès de l'Église, sans prédire le spirituel, auprès de la population congolaise, devant Dieu, devant l'État congolais et ailleurs du pays. Les actes spirituels et sociaux au milieu du territoire national posé déjà autant d'années en tête de l'Église, vit votre leadership et l'effort que vous manifestez pour l'innovation de l'Église. Vit votre soutien auprès des démunis. Vit comment vous avez mobilisé les croyants l'année 2020 à la prière pour la nation devant COVID-19. Vit l'effort et les soucis que vous avez pour atteindre la stabilité pastorale et environnementale. Vit votre dynamisme à la chrétienté au nom de Jésus-Christ. Vit votre hospitalité. Vit les témoignages approuvés. Nous avons la liberté d'exprimer auprès de la nation congolaise, auprès de l'Église Corps du Christ et aux autorités politico-administratives que les relèvements du fondement de la sainte doctrine internationale dirigée par son éminence évêque général Manassé Mavimba, qui est une confession religieuse. En effet, après beaucoup d'analyses profondes et l'étude minutieuse de votre parcours évangélique, socio-culturel à travers la République démocratique du Congo dans son ensemble, sans discrimination, après la vérification de votre travail pour l'émergence de l'Église, ainsi que celle de la population en général dans tous les domaines, ce qui constitue un sujet de choix, d'ouverture, de fierté, d'élégance dans l'Église Corps du Christ en général et en République démocratique du Congo en particulier. Compte tenu de vos actes posés en RDC,
et ailleurs du pays laissent des preuves éloquentes, historiques, étant leader pasteur. Un homme du développement, un combattant du Christ très engagé. En République démocratique du Congo, devenu crédible, dynamique sociale, mobile et proche des croyants en tout moment. Dira votre parcours au sein de l'Église. Après le sondage d'opinion, au sein de l'Église en particulier, et à la population dans son ensemble, toute tendance est confondue. Après débat et délibération au-delà des tendances politiques, des croyances religieuses, des convictions profondes d'appartenance, ethnique ou tribale. Les relèvements du fondement de la Sainte Doctrine et son bureau devant les évêques ici présents et les membres du relèvement du fondement de la Sainte Doctrine dirigé par l'évêque Manassé Mavinga. La confession reste nette, sans tendance politique implantée à travers le monde, a décidé de vous décerner un diplôme patriotique et trophée de méritocratie aujourd'hui dimanche 18 août 2024 devant les médias et devant l'Église pour encourager les autres de travailler durement pour faire avancer l'œuvre du ministère du corps de Christ. Son éminence homme de Dieu, évangéliste Claude Kamouniou-Alessa, ses diplômes d'excellence et de méritocratie est un symbole de votre savoir-faire et l'honneur des serviteurs de Dieu et à l'honneur de notre pays. Ainsi que toute couche se trouva la communauté en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Tous les collaborateurs en général qui vous accompagnent à la réalisation des projets qui démontrent les indicateurs du développement intégral et intégré et tant spirituel que physique. Par ici, je passe le micro à l'évêque général de remettre le diplôme des lauréats à sa main. Merci beaucoup. Moi, l'évêque général Manassé Mavinga, Naye Libosoya, évangéliste Walesa, on peut saluer diplôme et mérite pour la moussale mounée dans la salle dans l'élèvement du fondement de la Sainte Doctrine. Partout dans le monde, nous avons accompagné Tissot dans la moussale Oyo, nous avons apprécié. Merci, ma évêque, pour la considération. Merci beaucoup, leur éminence, évêque, pour la considération. Ce sera qu'il a dit dans l'lobby. L'avait partagé avec vous des visites. L'avait sa qui, parole à Moutou na Moutou. L'avait donné la parole à chacun de vous. La yoka qui, ma parole à Polygopé, la considération que vous avez dans l'lobby. J'avais suivi les propos d'amour et de considération de chacun de vous. Mais c'est de là qui m'a cassé. J'avais beaucoup apprécié. Plusieurs personnes ont suivi ceci dans les monastiques. En tout cas, c'est que Dieu vous bénisse. Ok, Béliboso, le problème est arrivé. Allez de l'avant en ce qui concerne le relèvement. C'est une grande chose qui consiste à amener les gens à la crête de Dieu, à vivre dans la sainteté. Vous-même, vous avez suivi les témoignages de la sœur. Dimanche prochain, vous allez suivre les dimanches prochains des relations. Il y a beaucoup d'infiltrés dans l'œuvre de Dieu. Mais le diable est en train de travailler. Et Dieu vous assiste. Soyez bénis. Vous allez vous agenouiller, nous allons prier pour vous. Toute l'église, nous avons la main levée. Topa Mola. On
ta bénédiction répande dans les mondes. Et passe à la bénédiction spirituellement, même matériellement. Il soit béni aussi bien spirituellement. Sainte à part pour la million. Et Dieu vous bénisse. Restauration et salement. Il y ait la restauration. Rélèvement et salement. Il y ait le rélèvement et béni. Il n'y a pas pour une ensemble à la dimension de la vie. La bénédiction des dieux sera défendue. Le monde de l'ensemble est accompagné. Et la preuve de Dieu vous accompagne. Si vous êtes à la ligne, la carte à communion. Soyez vraiment unis et vous êtes très fort. Soyez très forts. Pour que ça partout dans le monde entier. Allez, partout dans le monde entier. Parce va changer. Et les gens se confient. Bon, on va faire un yoga. Parlez et que l'on vous écoute. Je vous bénis. Je vous bénis. A déclarer une grande bénédiction. Je déclarer une grande bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour terminer, parce que vous pouvez trop beaucoup. Par contre, on a mis son photo. Seigneur, son photo. Photo. Merci. 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 Ça va, merci. Parce que ça veut dire qu'on parle à mon conseil du soir après prière. Quand ils ont fait, le gars qui m'ont l'ouvert à 5 personnes, hein, et c'est les dix. Bon, mais ça fait, il n'y a pas de problème. Oui, mais ça, c'est bon qu'elle ne trouve pas. Bangonde va coller la tille, avec vous, ça va m'en boire, ça y est, à foutre. À foutre, vous pouvez prendre un salade. Voilà, il y a peut-être mon temps, il y a des missiles à foutre, dans la zone, il y a des missiles à foutre. Merci. En est au coup, il y a des missiles à trop, c'est trop, il y a souffrir trop, au moins, il y a pas, c'est trop, pas problème, pas problème. En néo, tikana peut-être, na tikana un peu libre. Na limite na ça la moyenne. Donc, na ça va pas n'anga wana kuna ke. Na y problème n'anga relation avec le Saint-Esprit. Amen. Relation n'anga nanza. Ce que botani ba Bible net au tangi wana zomba. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, kotambo la nzamba zo confirmer musala pour aller avec sa présence na. Nous avons besoin d'avoir des confirmations en Zambé, avoir la présence en Aïe. Que nous avons besoin de nous faire un peu de temps, de nous faire un peu de temps, de nous faire un peu de temps. Nous avons besoin de la preuve de la présence en Zambé. Le miracle est le miracle de la présence. Bana nanga basali bana nanga liboso mwana nanga liboso bana yemba kawa na mususu basali 4 ans mususu 5 ans kobote zati bakomi ko sika bango tina kati eglise na bana ba yemba kana bango azoma le jour moko ka bo yemba na zo yemba le saint esprit kaninga na déclarer na lobi na zo peso ma passe amen kuninga nde kona ya yoko ya papa ngai pe ngambi yope na zo bakiselo basali na nete ba yoko bota. Na moni ma ko fonda kana ba tuka jour muke ko découvrir Kindumba nana linga kabido ko net. Merci. Kindumba. Ezan pasteur moko na kati na bino na 8 hôpitaux soki nani.
Baba ebisi mwana nanga manya tala pasteur wana bengani mwasi na tala sali boy asali boy boyela na sima boy boyela biloko ango elaka libosot nako benga manya kola kisanga bite na katikati na bile zana pa pasteur moko soka sendene amona ngina ba reseaux sociaux ba ndenge ba chaki ndene ambak benjo wana ale baba ba ndiko lo bata pasteur wana to yebi asali pasteur moko na kati na bile shukina ce qui m'a dit, c'est que je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la ça va dans un sable là, en tout cas pour la bino. Zambé beaucoup tani na biso na basali na yo oyo ezali hasard na kati église ba trois sepeli na bango le lobeli na bango considération bolingo o bango basalaki na revise avia serviteur de Dieu en tout cas nazo pambola bango nazo pambola bino tikete Zambé na nga koma Zambé na bino. Amen. En tout cas biloko nyonso yo bana ko tia blocage handicap barrière liboso na bino. Nous déclarons vraiment avec la puissance du Saint-Esprit que nous sommes en train de transformer. Pour moi, j'ai un impact, un signe, un caminé, un zabé, un zabé, un zabé, un zabé, un zabé, un zabé. En tout cas, nous sommes en train de faire un zabé, nous déclarer une très grande bénédiction pour la bénédiction de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Papa Koufi, il y a un tigre en abyss. Je vais expliquer, tu vas passer la confusion. Quand il y a Abimi, tout le monde est papa. Tout le monde est à Zoom, le gars, il est à Zoom. Il y a ça, mais déjà. C'est moi, on a volé ça. Je vais vous montrer. Pour ça, ce programme, nous sommes dans l'église, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux.